Salutations tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle vidéo de la Team Patate. Moi c'est Bobby et on se retrouve pour la suite du guide, n'importe quoi. On se retrouve pour la suite de la campagne sur HOTS pour cette cinquième épisode alors qu'on vient de bousiller du Protoss avec du Roach. Donc ça fait plaisir et donc on est parti pour la suite. Alors normalement j'ai débloqué des niveaux de Kerrigan avec cette mission. Je vais peut-être pouvoir upgrade les capacités de Kerrigan, je vais bien voir ça. Nous avons fait une captive dans les étendues désertiques que nous avons neutralisées, ma reine. Elle affirme être une chercheuse. Je ne vous ai pas donné l'ordre de faire des prisonniers. Abatur l'a réclamée, il veut la disséquer. Quel intérêt? Il n'arrivera pas à utiliser du matériel génétique Protoss. Il aime bien essayer. En fait, garde-la en vie pour le moment. Je lui trouverai peut-être une utilité plus tard. Ma reine, votre alcôve est désormais accessible. Donc, vous pourrez y modifier vos capacités. On va disséquer les Protoss encore vivants. C'est parti! Alors, la fosse d'évolution... Qu'est-ce qu'on a de nouveau sur la fosse d'évolution? On peut avoir une nouvelle conversation avec Abatur. D'où vient ce bruit? Échec des expériences. Réincorporation biomasse. Processus lent. Tu pourrais au moins mettre un terme à leur souffrance avant. Effort gaspillé. Créature bientôt morte. Douleur pas pertinente. Quand tu dis ce genre de choses, Abatur, je parviens presque à me souvenir de toi. Et je ressens de la colère. Colère produit de l'adrénaline, réponse au stress, menace imminente. Pas de menace pour vous, pas de colère. C'est moi qui en jugerai. C'est un bon moyen de menacer les gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce magnifique roach? Ah oui, d'accord, donc c'est en mode genre on baboule des zilotes avec des roaches, donc ça peut être pas mal. Armure augmentée de... Ah, l'armure est augmentée de 3 quand les points de vie du cafard sont inférieurs à 50%. Alors ça a l'air très fort quand même. Et les griffes fouisseuses, bon ça c'est standard. Oula, elles ont l'air d'aller vite là quand même. Hein. Hop. Et voilà, on s'embête pas. La bile hydraulique me fait... Ouais, elle me fait triper. Je vais mettre la bile hydraulique. Hop, on va partir là-dessus. On va faire retour. On va voir Kerrigan. Il s'agit de votre alcôve personnelle. Niveau actuel. Ok. Pour modifier vos capacités, de nouveaux pouvoirs deviendront accessibles lorsque vous gagnerez en puissance. Vous pouvez venir réorganiser vos capacités actives ici quand vous le souhaitez. Donc là, on peut avoir les... Donc là, on voit les différentes capacités. À partir du niveau 10, on pourra avoir quelque chose. Donc là, on est déjà au niveau 8. Bon, c'est déjà bien. Et après, on a l'air de faire des trucs assez puissants quand même à la fin. Réaction en chaîne. Bon, on va laisser comme ça pour le moment. On va voir ce que ça va faire avec le prochain niveau. Archive, c'est pas intéressant. C'est pour revoir les missions et les cinématiques. Les continuent à essayer d'avertir Chakuras de notre présence. Ils se préparent à lancer toutes leurs navettes via le réseau de transfert vers Chakuras. Eh ben, on va lancer cette mission. On doit tuer un messager, de ce que j'ai lu. Qui va tenter encore d'avertir Chakuras. De attention, il y a les zirs qui sont là, il faut les taper. Et nous, on bute le messager. Ce qui me paraît une bonne stratégie dans ce genre de circonstances. Une campagne donc, qui est très agréable à jouer, en tout cas pour moi, je trouve. Je trouve ça vraiment sympa. J'espère que ça vous plaît, les vidéos. N'hésitez pas à nous
à mettre un petit like si jamais ça vous a plu. Les Protoss préparent le lancement de leur navette. Un canal de transfert. Je sens des millions d'esprits Protoss de l'autre côté. Chakouras ! Si une seule navette parvient à passer, Chakouras sera au courant de notre présence. Nous devons détruire ce canal, alors ? Non, il le détecterait. Notre seule option est d'arrêter leur navette avant qu'elle n'atteigne le canal. D'accord. Les hydralisques de Nafash. Abattur, assimile leur essence pour les saints. Reconstitution d'hydralisques. Possibilité de métamorphose des larves. Il me faut plus d'hydralisques pour détruire ces navettes. Eh bien, très bien. On est T2, on a là le bataille hydralisque. Hop, ça, contrôle. Et là, on est reparti pour l'Under. Tiens, on va lancer un plus un d'attaque très vite. Je pense que ça pourrait être assez utile. Alors, aucune navette ne doit s'enfuir. Et on doit détruire donc toutes les navettes. Il y en a 8. 8 navettes à détruire. On va peut-être essayer d'avancer encore un peu les sport-crawlers. L'animation donc, des cryptomarques a changé depuis Wings of Liberty. Elle est en route vers un canal de transfert. Passons mon accord. Nous allons abattre cette navette. Ah, il y a un canal de transfert aussi ici, j'ai l'impression. Donc, ce serait bien d'avoir du creep jusque là-bas. Au début, j'essaye de pas faire de trop pour avoir vraiment accumuler une bonne masse de récolteurs. J'ai Kerrigan aussi. Hein. Pour me battre, ça va être plus simple, je pense. Ah! Il y a un hydra à récupérer ici. Hop. Et puis un autre canal ici. Est-ce que ouais, c'est bon. Hop, on va aller tenter de faire des sports pour buter les navettes. Ouais, tu peux même encore les avancer comme ça. Vous avez toute mon attention. Hop. Alors, on a déjà un plus en attaque. Donc ça, c'est plutôt bon trip. Tirez directement sur la ruche. Nos navettes doivent traverser. Vous ne quitterez jamais ces boules de glace. Ma reine, les Protoss récupéraient des échantillons biologiques et ils les stockaient dans ces chambres de stase. Nous allons détruire ces chambres et, si possible, récupérer la biomasse. Vous avez tout parlé. On vous a demandé quelque chose ? Les Protoss ont lancé une autre navette. Elle est accompagnée d'un chasseur d'escorte. Vous ne pouvez pas tous nous arrêter, Kerrigan. Eh ben, on va voir si on peut pas tous vous arrêter. On sera pas si sûr à ta place, quand même. Hein. Ah, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un...
C'est qu'il y a un colosse en fait. Et que j'ai des hydras. Et que le colosse est très fort contre un hydra. Tout simplement. Oui, personne ne peut me faire obstacle. Qu'y a-t-il maintenant? Crachez le morceau. Vous avez tout en attente. Là, la navette qui s'est pris. Ah, j'aimerais bien avoir le bâtard rouge quand même. L'essaim est affamé. Parlez. On vous a demandé quelque chose? Parlez. Les Protoss se mobilisent pour attaquer notre colonie. Oui. Hop, ils arrivent par où? Vous avez toute mon attention. Crachez le morceau. Allons-y. On va aller prendre les trucs de stase ici, je pense que ce sera aussi plus simple. Ah, Kerrigan n'est pas là. Les Protoss ont lancé une autre navette. Destination inconnue. Ils mettent d'autres canaux de transfert en ligne. J'en détecte deux autres qui s'activent. Grande quantité de biomasse. Utile. Possibilité d'amélioration de l'essaim. Cette colonie appartient désormais à l'essaim. Qu'y a-t-il maintenant? Hop. On continue, on va aller. Oh, ça va être tranquille à choper tout ça. On vous a demandé quelque chose. Une navette a réussi à atteindre. Elle a pas réussi longtemps en fait à atteindre le bousin. Et moi, j'aimerais vraiment quand même récupérer ces. Les trucs de stase. Nous allons manquer de temps. Enfin, mais. Ouais, les chambres de stase, je sais plus comment exactement comment ça s'appelle. Hop, non, ça, je suis pas en manque de gaz. Oui. Oups là, Kerrigan qui s'avance. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? En avant. On continue les hydra et tout qui reviennent. Ok, assez stylé qui court. Hop, ça me fait encore des niveaux pour Kerrigan. Là, je dois être niveau 10. Donc, ça, c'est parfait. Ça va me faire une petite évolution
possible pour la prochaine mission. Un... Les Protoss sont en train de lancer des navettes depuis une nouvelle base. Eh bien, ça complique juste un peu les choses. Juste un peu, mais c'est rien. Nous, on est les... Oui, les plus fortes, simplement. Nous avons engagé le combat contre l'ennemi. Oula. En fait, je crois bien rajouter Kerrigan dans mon groupe. Oui. En avant. Hop. Nous allons manquer de temps. Vous pouvez la choper. Ici, la navette, donc je vais essayer d'atteindre cette position. Vous avez tout mon attention. Hop. Crachez le morceau. Personne ne peut me faire obstacle. Les saints ne se reposent jamais. Ce monde m'appartient. Allons-y. Finissons-en. En avant. Ce monde m'appartient. Nous allons manquer de temps. En avant. Finissons-en. Personne ne peut me faire obstacle. Une navette a réussi à atteindre le canal. Détruisez-la, immédiatement. C'est bon, on a pu annuler son transfert. Ce monde m'appartient. Personne ne peut parler. Vite. Hop. On vous a demandé quelque chose? Nous allons manquer de temps. Allons-y. Là-bas, il y a encore ça à récupérer. Hop, on va avoir besoin de minerais. Enfin, de gaz plutôt, parce que je vais mettre du gaz. Hop, ça c'est pratique. Ça aussi c'est très pratique. Oula, il y a un item plar. Là, il n'y a plus d'item plar. Hop, le voidrait. Nous allons manquer de temps. C'est la dernière chose. Comme ça au moins les chambres de stase c'est fait. Examen de la biomasse possible. Absorption. Amélioration de l'essaim. Le monde m'appartient. Crachez le morceau. L'essaim ne se repose jamais. On va commencer à lancer la grosse masse d'Inra. Personne. Hop. On vous a demandé quelque chose? Les Protoss sont en train de lancer deux séries de navettes. Ces salopards sont tenaces. Vous avez toute mon attention. Ces petits salopards. Ça va, j'ai une grosse masse. On va sortir, j'aimerais bien les choper, en choper une genre très tôt en chemin. Il n'y a pas moyen de mettre des sports sur son passage à celle-là. Crachez le morceau. Oui. Ce monde m'appartient. Ici, on va aller la choper ici. Finissons-en. L'essaim est affamé. Viens, bats-toi. Poursuivez l'offensive. Nous allons manquer de temps. Parlez vite. L'essaim est affamé. Pas de prisonniers. Oh là, j'ai peur d'être un peu late ici. C'est pas très bien ce que j'ai fait. Attention, une autre navette a atteint un canal de transfert. Allez vite, faut que je me grouille, faut que je me grouille, faut absolument que je me grouille. L'essaim est affamé. 24 secondes, putain, j'espère que ça va le faire. Ah, faut y aller. Faut pas hésiter à sacrifier les troupes, là on s'en fout. Crachez le morceau. On vous a demandé quelque chose? Yep. Ouh.
Ça s'est joué à quelques secondes. J'ai pas très bien joué là-dessus. J'aurais mieux fait de séparer mon armée en deux. Ça aurait été bien plus intelligent de ma part. Enfin bref. On a eu chaud là-dessus. Bon, au moins là, au moins, on a plus de... On a plus besoin d'aller chercher les chambres de stase là, et ça c'est déjà ça de pris quand même. Ça fait ça de moins. Ça fait ça de moins en faire tout simplement. Hop, on a. On va avoir un peu plus de minage ici. Faire aussi là. Allons-y. Les protos sont lancés davantage de navettes. Qu'une seule navette traverse le canal et vous sentirez la puissance de l'armada dorée. On va fonctionner comme ça. Je vais faire ça ici. Une partie ici et l'autre partie là. Ça, on va dire que c'est le groupe de contrôle 1, et ça c'est le groupe de contrôle 2. Je vais foutre Kerrigan en 4 entre les deux. Ici, si je défends au point des navettes, wow, je pense que ça devrait le faire quand même. Il n'y a pas l'air non plus d'avoir une masse énorme. Les hydras qui font le taf ici. Une navette commence son transfert. Il faut voilà, elle l'a pas fait longtemps son transfert. Hop. Alors là par contre, le truc que j'avais fait avant aurait pu fonctionner parce que les deux sont vraiment... Hop. L'essaim est affamé. Alors il y a un petit sort de zone, je sais pas trop ce que c'est. Oui. Ok, deux vagues de navettes restantes, ça va le faire. On va y arriver. Ah mince, il y a des troupes ici. Crachez le morceau. Oula, n'importe quoi. Voilà. L'essaim est affamé. On va ressortir des roaches quand même en terrestre. Il nous faut plus de gaz, Vespen. Nous allons leur miner plus de gaz. Tout simplement. C'est QFD. Alors, pareil, on va avoir. Les photos sont lancées davantage de navettes. Deux navettes. Alors. Bon, on va voir leur destination. Donc, il y en a une partie qui sera ici. Ok, donc on va envoyer ça pour aller défendre. On va dire que ça va être suffisant. Hop, ça et ça. Ce sera groupe de contrôle 2, c'est plus simple parce que comme c'est à ma gauche. À ma droite plutôt. Et que le groupe est à la droite, c'est juste une question mémotechnique. Et voilà, ce groupe-là, avec Kerrigan. Hop, c'est bon, tout est tombé ici. On vous a demandé quelque chose?
vous allez tout faire attention. Pouvoir essayer. Nous allons manquer de temps. Personne ne peut de tout rassembler. Hop, faut prendre un peu la concave. On va mettre des gros focus là. Et voilà. Allons-y. En avant. Il me semble qu'on a défendu. Nous allons manquer de temps. Qu'on a tout défendu. Finissons-en. Ah non, une vague restante. Donc, à mon avis, ça va être là. La vague. L'essaim est affamé. Allons-y. Parlez vite. Oui. Personne ne peut faire obstacle. Ok. Les photos sont lancées trois navettes simultanément. Elles se dirigent vers le même canal. Les protos sont lancés un vaisseau mère. Ils doivent s'en servir pour camoufler les navettes. Ils vont tous vers ce canal. À toutes okay. Les troupes, défendez le canal central. Abattez tous leurs vaisseaux. Vous avez toute mon attention. Oui. Parlez vite. Ah. Le problème, c'est les colosses, en fait. Attention, une autre navette a atteint un canal de transfert. Yes. Woo. We did it. C'était la dernière. Les canaux de transfert ne leur servent plus à rien. Vous avez réussi, ma reine. La menace Protoss a été anéantie. Tant qu'ils ne sont pas tous morts, rien n'est fait. Quel est le... Et ben très bien, voilà tout pour cette mission sur la campagne de HETS. C'était, il me semble, le cinquième épisode. Et on va se retrouver très bientôt pour la suite. J'espère que ça vous a plu. Salut tout le monde !